Dans cette vidéo, je vais vous parler des EPI, les équipements de protection individuelle. Premier élément d'information, qu'est-ce qu'un EPI ? On va reprendre là ce que nous dit le règlement européen, qui est repris dans le Code du travail, bien évidemment. Un EPI, donc, c'est un équipement qui est conçu pour être porté ou tenu par une personne pour la protéger contre un ou plusieurs risques. Ça peut paraître rébarbatif. En fait, c'est assez primordial de savoir contre quel risque un EPI est censé nous protéger. Petit exemple pour rentrer dans le vif du sujet. Si je m'expose à un produit chimique, un acide par exemple très corrosif, et que je compte me protéger avec une paire de gants en laine, peut-être que ce n'est pas adapté. Les EPI sont classés en trois catégories. La première catégorie concerne les EPI qui protègent contre des risques qu'on appelle minimes ou mineurs. La troisième catégorie concerne les EPI qui protègent contre des risques dits graves ou mortels. En fait, ce sont des risques qui peuvent générer des séquelles irréversibles. Et dans la deuxième catégorie sont classés tous les EPI qui n'appartiennent ni à la première ni à la troisième catégorie. Quand on parle de risques mineurs, on va parler de EPI qui protègent contre des coupures superficielles, contre une exposition à des températures à moins de 50 degrés. Voilà, ça c'est la catégorie 1. Ou contre des lésions oculaires générées par la lumière solaire. Voilà. Quand on parle de risques graves ou mortels, évidemment, tous les EPI qui protègent contre les risques de chute de hauteur vont être dans la catégorie 3. Les EPI également qui protègent contre l'irradiation, contre l'asphyxie, contre voilà, tous les risques qui peuvent générer des séquelles irréversibles. Quand on doit porter des EPI et les utiliser, bien évidemment, il ne suffit pas que de les porter, on va donc vérifier en fait que ces EPI soient bien marqués comme l'exige le règlement européen et le Code du travail. Les EPI doivent donc être marqués d'un CE, ce qui signifie qu'ils sont conformes aux exigences. La notice, qui forcément doit être livrée, et notamment dans la langue en vigueur dans le pays dans lequel le pays est vendu, précise contre quel risque protège le pays, et donc si c'est bien un EPI. Il faut savoir qu'il y a des marquages CE qui existent pour d'autres règlements ou directives européennes, par exemple pour les machines, par exemple pour les jouets. Et bien évidemment, il ne faudra pas utiliser un casque jouet pour se protéger contre des risques dans le cadre professionnel. On a donc, par exemple, des gants qui peuvent être des EPI, considérés comme des EPI. Ils auront leurs propres normes, ils auront le marquage CE, bien sûr, ils auront leurs propres normes et des indices qui expliquent à quel point ils peuvent protéger contre les coupures, contre les chocs, etc. On peut avoir des lunettes aussi, lunettes solaires ou lunettes de protection ou lunettes de protection contre des impacts de métal infusion, d'objets. Par exemple, ce modèle de lunettes n'est pas marqué CE, c'est donc pas un EPI. Ce sont des lunettes qui seront peut-être très utiles dans le cadre du sport, mais en tout cas, dans le cadre du travail, elles ne seront pas nécessairement recommandées. On va aussi trouver des EPI, dans le sens où ce sont des équipements de protection individuelle, mais qui ne correspondent pas ou plus aux exigences actuelles. Donc en l'occurrence, les exigences actuelles, c'est le règlement EU 2016-425 pour les EPI contre les chutes de hauteur. On voit par exemple ce bloqueur, qui ressemble fortement au bloqueur actuel, mais il est tellement ancien qu'il n'y a pas de marquage CE, donc aujourd'hui on ne pourrait pas l'utiliser dans le cadre du travail. La même chose pour ce descendeur historique. Ce casque, qui protège probablement contre les chutes d'objets, n'est pas marqué CE, donc il ne pourra pas, en plus au-delà de sa durée de vie, être utilisé comme EPI. Les EPI donc doivent répondre à différentes exigences. Déjà, selon leur catégorie, les fabricants, ils auront des contraintes plus ou moins importantes pour la fabrication et pour la mise sur le marché. Je ne rentre pas dans le détail, le cours qui sera suivi en présentiel rentrera, lui, plus dans le détail. Les EPI doivent répondre, selon ce qui figure sur leur notice, à certaines exigences en termes, par exemple, de maintien en état de fonctionnement, de maintien en état en termes d'hygiène également. Ils doivent aussi répondre à des exigences en termes de durée de vie. Les EPI, par exemple, textiles, une corde, un harnais, ne pourront pas avoir une durée de vie illimitée parce que le textile s'usera dans le temps, qu'il soit utilisé ou pas, qu'il soit bien stocké ou pas. Les EPI métalliques, par contre, peuvent potentiellement avoir une durée de vie illimitée.
tant qu'ils n'ont pas de problème décelé lors de leur inspection. Du coup, les EPI doivent avoir une inspection annuelle tous les 12 mois à minima concernant les EPI contre les chutes de hauteur. On a aussi des exigences en termes de notice, de manuel d'utilisation. Le fabricant a l'obligation de définir tous les éléments clés concernant l'EPI, par exemple la nomenclature, comment s'appelle chaque partie d'un EPI. Si on prend l'exemple une poulie, on va avoir des flasques, un réa, un axe, un trou de connexion. Tout ça doit être défini dans la notice. On va avoir des exigences aussi sur la notice en termes de réparation, de maintien en état, de durée de vie et donc d'inspection. Tous les 12 mois, l'inspection minutieuse doit être réalisée par une personne compétente, définie par l'employeur. Et lors de cette inspection, on va rechercher le moindre défaut qui pourrait conduire à une mise au rebut ou éventuellement à une réparation. C'est une mise en quarantaine le temps que le pays soit réparé pour après être réinspecté et définir s'il est valide ou pas. Enfin, il faudra bien avoir à l'esprit qu'un EPI ne peut servir qu'une seule fois si jamais il subit un événement indésirable, on peut appeler ça. Par exemple, une corde qui est utilisée comme dans un système d'arrêt des chutes. Si elle arrête une chute importante, elle peut être mise au rebut juste après avoir servi peut-être qu'une seule fois et avoir subi une chute. Elle a joué son rôle, mais l'impact qu'elle a subi peut conduire à dégrader ses propriétés. Du coup, tout simplement, une inspection minutieuse devra être conduite par une personne compétente également et conduira peut-être à sa mise au rebut. Dernier point, mais pas des moindres, il faut mentionner que les EPI doivent être judicieusement sélectionnés. Les employeurs ont la charge de les sélectionner, selon une analyse des risques, en fait. C'est pas n'importe quel pays n'est pas multifonctionnel. Chaque pays aura des avantages par rapport à certaines utilisations ou certains risques, certaines protections contre des risques et éventuellement aussi des inconvénients. Si on prend par exemple ce harnais, il pourra être très confortable pour une personne qui travaille sur corde ou en maintien au travail, voilà, même plus sur corde parce qu'on a un bloqueur ventral qui permet de remonter sur corde. Peut-être qu'il sera un peu lourd pour une personne qui a juste besoin d'un harnais d'anti-chute. Si on prend par exemple ce casque, il va correspondre à une norme et avoir différentes capacités. On voit qu'il offre une ventilation, on voit qu'il offre une bonne protection contre les chocs. Pour autant, si on est exposé à un risque électrique, les ventilations probablement qu'elles ne protégeront pas contre le risque électrique. Donc la sélection des EPI incombe à l'employeur après analyse de risque. Et la mise à disposition des EPI doit être aussi faite par l'employeur gratuitement et de manière appropriée aux risques engendrés par le poste de travail et le travail qui est réalisé. Un petit rappel, tout EPI nécessite une formation et une information, donc une information sur les risques contre lesquels l'EPI protège et une formation sur les manières de l'utiliser. Concernant des gants, ça peut être très rapide et très simple. On va juste préciser qu'il faut bien les mettre. Voilà, qu'ils soient bien ajustés, c'est important que les EPI soient ajustés. Ils ont une taille, peut-être, il y a différentes tailles existantes en fonction de la taille de la main. Ça peut être la même chose pour un harnais aussi, ou un pantalon, ou des chaussures, bien sûr. Un casque aussi. Et les EPI de catégorie 3 doivent présenter un numéro de série individuel qui permet une traçabilité. Si on prend une corde, qui bien sûr est un EPI de catégorie 3, on voit qu'avec chaque extrémité, on a un marquage qui nous renseigne sur sa date de fabrication notamment, qui permet d'avoir une traçabilité. Cette traçabilité, elle doit être formalisée à l'écrit, c'est une fois de plus à charge de l'employeur, de tenir un registre de sécurité dans lequel figure l'ensemble des EPI dès lors qu'ils sont mis en service dans l'entreprise. Donc on va retrouver leur nom, leur désignation, est-ce que c'était des gants, une corde, un mousqueton, etc. La marque, le modèle, le numéro de série, la première date de mise en service, la date d'inspection qui est en train d'être réalisée si c'est le cas, les éventuelles remarques qui auraient pu être formulées lors de l'inspection, par exemple, attention, traces de corrosion naissante sur une partie métallique, et puis enfin, le résultat de l'inspection, est-ce que c'est valide, apte, ou est-ce que ce n'est pas valide, inapte, éventuellement, on peut préciser si c'est à réparer. Parce que des EPI peuvent avoir des éléments qui soient interchangeables ou à réparer par le fabricant. Enfin, certains EPI nécessitent une inspection par des personnes spécifiquement formées, bien souvent par les fabricants eux-mêmes, ou des organismes de formation désignés par le fabricant.
On peut penser, pour ce qui concerne les travaux en hauteur, aux antichutes à rappel automatique. Bien souvent, ils sont tenus à inspection annuelle, donc tous les 12 mois, par un organisme identifié par le fabricant. On peut penser également aux treuils, qui peuvent avoir d'ailleurs des obligations d'inspection plus courtes que tous les 12 mois.